Pour moi, c'est vrai que c'était un peu un rêve depuis que je suis ado, quoi. Même avant d'avoir vraiment une idée de comment étaient les montagnes là-bas, j'imaginais que c'était une terre tellement marquée par la nature et une terre qui devait être folle, quoi, que voilà, ça m'attirait. La Patagonie, c'est un peu le bout du monde. Petit à petit, en fait, on prend la dimension de l'endroit où on est, son isolement. Et ce qui est marrant, j'ai trouvé, c'est que c'est pas quelque chose qu'on arrive vraiment à envisager avant d'y être. Et que ça vient même presque petit à petit. C'est-à-dire que quand on arrive au camp, on se dit waouh, je dis au revoir à ce bateau. Puis après, on part se balader un peu autour et on se dit waouh, mais je suis seule au monde. Et on fait un peu un point en arrière et on se dit je suis au bout du monde, au sud de l'Amérique, très très loin de tout. Et puis après on part une fois en montagne et on se dit ah ouais là j'aurais pas de secours si jamais il se passait quoi que ce soit, même quelque chose d'assez banal. C'est un des endroits sur Terre où il y a encore beaucoup de massifs qui sont très sauvages et finalement peu explorés. Il n'y a pas de contraintes d'altitude, il y a des contraintes météo qui sont difficiles, mais ça reste des endroits qui finalement où il y a encore beaucoup de choses à faire. Buenos días. Señoritas. No, ya vivan los colales, los bikinis, los para el sol, para el maquillaje, es todo claro. Son chicas muy pretenciosas. Sí, no, por favor. El primer día que fuimos, si bien es cierto, estábamos aproximadamente 100 millas de distancia del lugar que zarpamos hasta el lugar que los dejamos. Eso no es menor, es una distancia considerable. Hay que sortear lugares o expuestos como el Estrecho de Magallanes y otros lugares como el Almirantazgo que las condiciones climáticas a veces son muy difíciles. En este caso puntual, en la expedición, cuando nos fuimos, a pesar de las dificultades de tirar la lancha al agua, de que no podíamos, que salimos tarde, fue impresionantemente eficiente la jornada porque nos permitió llegar aproximadamente en 4 horas y media, aproximado por lo que recuerdo, disfrutar esa calma cero. Ça reste un endroit qui est très engagé, qui est très éloigné de tout, où n'importe quel petit problème, aussi petit qu'il soit, peut avoir des conséquences importantes, dans le sens où il peut ne pas y avoir d'intervention de secours avant des délais de 1 à 2 semaines. Il a trouvé un talus où il pouvait nous débarquer et il nous a jeté là avec toutes nos affaires. Alors c'était un peu la bataille parce qu'on était vraiment dans un talus raide, il a fallu mettre les cordes et tout pour pouvoir monter nos sacs et là on a déchargé nos 700 kg de bagages. Contrairement à d'autres expés, nous on avait vraiment à lutter contre l'humidité quoi, plus que le froid ou d'autres choses. Et c'est pour ça qu'on a décidé de construire un camp un petit peu solide avec une cabane qui nous servait en fait de tense-messe quoi, où on pouvait tous se retrouver et puis surtout faire sécher les affaires avec un petit poêle qu'on avait eu la chance de trouver à Punta Arenas. Colonisation française, van a ser familia en los fiordos, van a colonizar. Mira, para los bebés, para hacer una casa. Wow, una linda historia, eh. Linda historia, ¿no? On a venu à buscar igual, eh. Después. Tu reviens, hein. Donc du coup la cabane, en fait on a pris le bois qu'il y avait autour, on a fait toute la charpente avec le bois d'autour et pour le plafond, là, pour la pluie, on avait ramené des tôles en bateau et quand on est reparti, on a tout récupéré ce qu'on avait apporté, donc il ne reste plus grand chose, il n'y a plus que le bois qu'on a pris sur place, donc il n'y a vraiment aucune incidence. La spatule elle est là. C'est filmé là ? Tu dis que c'est la première fois qu'il touche une casserole par contre. Alors le plan d'avant c'est Antoine qui fait les pancakes et le plan d'après c'est les filles assises en train de boire le café.
Bon, puis du coup, une fois qu'on était installés, on s'installe dans le rythme de la vie au camp en Patagonie, c'est-à-dire on attend le créneau météo et puis on coupe du bois pour faire sécher les affaires, on mange, on dort, on joue aux cartes, et puis on regarde la météo le soir et en gros le lendemain on recommence quoi, jusqu'à ce que la météo elle change et puis qu'elle nous amène une bonne nouvelle. C'est quoi ça, Maud? C'est des petites truffes de dulce de leche. Quoi dedans? Des petites boulettes. Des petites boulettes. Ah ben on s'ennuie, hein. Il n'y a que des bonnes choses, que du sucre. On a eu un premier créneau météo pas très long d'une petite journée qui n'était pas non plus sur tout le massif, toute la chaîne, mais on voyait qu'en bordure de fjord, ça avait l'air d'aller. Quoi, c'est le bordel? Il y a besoin de faire quelque chose. Vas-y, tasse un peu. Et on a décidé de partir pour un petit sommet facile au-dessus du camp, là, qui s'appelait le Cerro Nylandia. Et pourquoi il revient? C'est bon, ça match? Ça se quitte là. Ça nous a permis ne serait-ce que de voir l'immensité un peu de ces montagnes et puis de prendre de la hauteur par rapport au fjord. Et résultat, même si finalement c'était une marge glaciaire, hein, c'était vraiment juste ça, mais c'était génial quoi, ça faisait plaisir d'être en montagne et puis d'un coup on savait pourquoi on était venu. Pour moi, ça m'a apporté beaucoup, d'une part une expérience de groupe tous ensemble, parce que c'est pas si souvent qu'on se retrouve à 6 dans un univers comme ça, où on peut compter que sur les autres et sur soi-même, et donc forcément, faut prendre sur soi des fois, mais c'est aussi des moments très forts de partage. Et puis sur l'alpinisme d'exploration, qui est quelque chose que moi je connaissais pas du tout, j'ai découvert beaucoup de facettes que j'ai trouvées vraiment très intéressantes de cette discipline, qu'on a finalement peu l'occasion de pratiquer chez nous. On fait de l'alpinisme technique, mais assez peu d'exploration. Premier sommet, du coup on a pu faire un premier sommet vierge qui avait déjà un nom qui s'appelait le Cerro Nylandia et puis en fait on s'est rendu compte qu'on pouvait traverser et aller à un deuxième petit sommet qui était vierge aussi et qui avait pas de nom, donc on a fait ça dans la journée et on a décidé de l'appeler le Cerro Fernando pour faire un petit clin d'œil à notre marin qui nous a emmenés. Yo creo que lo más complicado de la Patagonia es el viento. A mi opinión, el viento es como el peor enemigo del hombre, en el sentido que el viento en el mar genera las olas, en la montaña genera el viento blanco, o el viento de montaña, que es el que levanta la nieve, ¿verdad? Y eso dificulta mucho cualquier actividad de vida al aire libre en la Patagonia. Était vraiment pas loin d'une plage. Alors les garçons nous avaient promis une pêche immense et abondante tous les jours et puis finalement ils sont rentrés bredouille 3 jours de suite et on s'est dit qu'on allait reprendre les choses en main. Et heureusement sur cette plage il y avait beaucoup de moules, des moules énormes comme on n'en voit pas souvent chez nous. J'espère qu'elles vont être bonnes. Hein. Ouais. Sur cette expé, mais on a quand même aussi passé pas mal de temps au camp de base et heureusement on avait prévu un petit peu de quoi s'entraîner pour se maintenir en forme. On avait une petite poutre sur laquelle on a fait quelques exercices.
Quel grimpe ? Vertical. Non. Mais quoi ? Mais t'as chanté tout le départ. Allez. Après pas mal d'attentes, on arrive à avoir un créneau qui a l'air du moins satisfaisant. Et du coup, on part en exploration sur le sommet à côté du Passo Esperanza, là, qu'on avait repéré un peu depuis le départ, et puis qui avait l'air d'être un des beaux sommets du coin, quoi, qui nous attirait bien. Et on décide de partir sur 2 jours avec un bivouac parce que la grosse inconnue, c'était surtout l'accès dans la forêt, quoi. Combien de temps ça allait nous prendre, par où on allait passer, enfin toute la partie finalement qui fait partie de l'Alpi qu'on connaît moins chez nous, quoi. Ouais, cuisine. Oh là là. Donc ça nous a pris pas mal de temps. On a pu faire notre bivouac à un endroit sympa dans la neige. Et le lendemain, alors qu'on était quasi sûr d'y arriver, finalement le premier itinéraire qu'on avait envisagé, ça débouchait sur une grosse corniche. On pensait déboucher sur une arête toute facile. Finalement, c'était une énorme corniche, donc on a dû passer par un autre itinéraire plus en goulotte. Et là, vu qu'on n'avait pas vraiment prévu ça, on manquait un peu de matos, quoi. C'était un peu trop limite, ça engageait une descente qui allait être longue, un peu laborieuse. Et résultat, on a fait demi-tour à 60 mètres du sommet, quelque chose comme ça, quoi. C'est gentil, tu mets ma corde. Oui, je t'ai... Adorable. Adorable. Il fait grand beau. On bouge beaucoup. Oui, il se passe quoi là? On fait quoi là? On va où? Il y a Antoine qui mange. On attend Antoine. Il n'y a pas trop la casse. Il a un peu peur d'une escalade. Les via cordata, c'est pas trop son truc. Et Flo, qu'est-ce que t'as fait là? Mais j'en ai fait une. Une femme au foyer. Une femme au foyer. On lui a enlevé son maquillage. Et elle est devenue. Grosse. Servile. Ah, génial! Sur un autre créneau qui s'annonçait pourtant pas mal, qui marquait pas trop de vent, on part sur le deuxième sommet qu'on avait envisagé à côté du Passo Esperanza aussi. Allez, pour gagner! Et là, ça a été bien simple. Hein. Dès qu'on a débouché sur une croupe un tout petit peu exposée au vent, on s'est fait découper par le vent, quoi. C'était impossible d'avancer. On perdait l'équilibre tout de suite, quoi. Donc il n'y a même pas trop eu besoin de parler. Demi-tour, retour à la case départ. En fait, le lendemain du jour où on a tenté un autre sommet, c'était à la base pas trop prévu beau. Et puis finalement, on s'est dit qu'il faut tenter le tout pour le tout, on est pas loin de la fin. Puis on en avait du coup profité pour poser un petit peu du matos, ce qui nous a permis d'être pas mal plus rapide sur l'approche en partant à la journée. Et on avait quand même la première fois repéré une goulotte qui semblait mener droit au sommet. Et donc là, sans hésiter, on s'est engagé dans cet itinéraire avec plus de matériel. Et ça a finalement débouché au sommet comme on l'espérait. Et en plus, on a eu de la chance parce que en montant, il y avait pas mal de vent. Il neigeait même au début quand on est parti. Et puis, plus on a avancé dans la journée, plus il a fait beau. Et au sommet, on a eu une vue relativement dégagée sur l'autre côté, le fameux glacier Marinelli qui est assez connu. Et puis,
Et puis du coup, on a réussi à faire ce sommet qui était quand même beau et raide, assez raide de tous les côtés. Au final, cette expédition, elle aura été très bénéfique parce que déjà, c'était exactement ce qu'on cherchait, c'est-à-dire de la vraie aventure. Il y avait beaucoup d'inconnus et ça, c'était hyper intéressant. Finalement, tourner, repérer des sommets, tourner autour pour voir le meilleur moyen d'accès, essayer un petit peu d'anticiper avec les conditions, avec la météo. Il y avait pas mal d'incertitudes là-dessus. Allez, à trois, on crie. 1, 2, 3. Voilà, superbe. Ici, c'est très bien, bien dégagé. C'est beau, c'est sexy. C'est magnifique, ma chérie. Ils nous ont bobiné depuis le début. On croyait qu'on faisait une équipe d'alpinisme, mais en fait, c'est un camp pour cas sociaux. Eux, ils sont psychologues, on dirait pas, mais. On dirait pas. Mais c'est des psy. Si, ça se voit. Un psychologue, ils nous donnent des poupées en bois. Caméra par Gaël, il a un traitement avec nous, par contre.